Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre entreprise. Avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et rejoindre les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager la publication. Alors, comment créer son entreprise? Comment créer l'entreprise aujourd'hui lorsqu'on veut lancer son business? Comment et quel statut prendre? Quel statut juridique choisir? Ça, c'est une vague question qu'on peut se poser. Vous avez certainement commencé à regarder sur Internet, à chercher des statuts différents. Chaque statut est complètement différent en fonction du projet que vous avez. Chaque statut est propre à chacun, finalement, à propre au projet que vous allez avoir. Donc, globalement, je ne suis pas là pour vous donner un statut en particulier, vous parler d'un statut spécifique. Vraiment, encore une fois, je vous conseille vivement de voir un conseil en fiscalité, un comptable qui va vous aiguiller. Pourquoi pas, si vous ne voulez pas voir ces corps de métier-là, allez plutôt à la CCI de votre circonscription. Rendez-vous à la CCI, rencontrez une personne qui est justement liée et déléguée à la création d'entreprise. Essayez de présenter votre projet et voyez avec cette personne-là qu'elle puisse vous orienter. Alors, comment créer son entreprise aujourd'hui? C'est assez simple au final de créer son entreprise. Par contre, la simplicité ne veut pas forcément dire qu'il faut se lancer tête baissée à le faire, à créer son activité et voir après. L'idée, c'est quand même de réfléchir avant de démarrer son activité, avant de créer sa société, de vouloir absolument créer sa société, c'est d'avoir une idée précise, une idée concise de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, dans laquelle vous voulez exercer. L'idée, c'est de vous créer, on va dire, un petit business plan. Ne faites pas un business plan de 500 pages, mais faites un business plan pour avoir des idées plus claires. Le fait de poser les idées sur papier, ça va déjà vous aider à voir plus clair dans votre activité, dans votre domaine d'activité. Ça va également vous servir de mode d'emploi, entre guillemets. Lorsque vous allez créer votre société, vous allez vous servir du business plan pour voir un petit peu l'évolution d'où vous en êtes, ce que vous avez à mettre en place, puisque vous aurez déjà tout noté, tout notifié sur ce fameux business plan. L'idée du business plan, c'est de permettre également de voir également quelle va être la structure, quelle va être la grosseur de votre société, quelle va être la complexité de la société. Et c'est ce qui va aussi vous déterminer de savoir quel statut juridique vous allez choisir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix entre plusieurs statuts juridiques. On ne va pas rentrer en détail parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours de comptabilité ou cours juridique sur les statuts. Mais il existe plusieurs statuts en France dans lesquels vous allez pouvoir exercer. Des statuts plus ou moins complexes à gérer. Quand je dis plus ou moins complexes, il y a des statuts qui demandent quand même l'appui d'un comptable. Pourquoi pas d'un avocat fiscaliste aussi, mais vraiment, il va falloir être appuyé par d'autres personnes. On va parler aujourd'hui du statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur est le statut le plus simple pour vous lancer, par exemple, si vous souhaitez créer une activité sur Internet ou même dans toute autre activité. Le statut d'auto-entrepreneur est simple. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir gérer assez simplement votre activité, vous focus vraiment sur votre cœur de job, votre activité, ce que vous avez envie de mettre en place et laisser un petit peu la partie, entre guillemets, paperasse de côté. Alors attention, quand je dis de côté, c'est vous n'aurez pas énormément de comptabilité à faire. Par contre, tenez toujours, toujours une comptabilité. Pourquoi? Que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en SARL, en URL ou ce que vous voulez, la comptabilité, en tout cas d'avoir un papier avec lequel vous notez les chiffres et vous suivez l'évolution de votre chiffre d'affaires, c'est important pour vous pour avoir une vision beaucoup plus claire, une certaine clairvoyance, si vous voulez, sur le long terme et sur ce qui va rentrer dans vos caisses et ce que vous allez donc dépenser et ce que vous allez donc encaisser pour vous. C'est important de le faire parce que vous ne saurez plus vraiment où vous êtes et si vous vous concentrez uniquement à votre activité, vous n'allez pas forcément voir où en sont vos chiffres. Et aujourd'hui, les chiffres, c'est important parce que c'est ce qui va valoriser aussi votre société. Mais c'est là aussi que vous allez devoir vous servir pour vous payer vous. Pensez à vous rémunérer. Donc, le fait de connaître et de savoir où vous en êtes précisément dans votre boîte, dans votre activité, dans votre création de société, dans votre société personnelle, eh bien, ça vous permet de savoir vraiment où vous en êtes dans les chiffres, dans les dépenses, dans les recettes pour pouvoir vraiment gérer votre budget. Si vous ne gérez pas votre budget, vous êtes voué à l'échec parce que votre société, vous n'allez pas savoir quelles sont les charges que vous allez payer, quel est le salaire que vous allez vouloir retirer, quel est le chiffre d'affaires et quels sont les clients qui vont vous payer, donc quel chiffre d'affaires va rentrer. Si vous ne connaissez pas tout ça, vous êtes voué à être mort. Donc, le statut auto-entrepreneur est bien, mais c'est un statut très simplifié qui vous permet vraiment de vous concentrer sur l'activité et de gérer assez simplement votre comptabilité. Ensuite, quand on part sur la SARL, l'URL, même l'entreprise individuelle, il y a la SASU, il y a la SAS, il y a d'autres styles de statut juridique pour votre société. Là, vous allez devoir donc rentrer dans une complexité un petit peu plus importante qui va vous demander d'avoir un comptable. Alors attention, quand on parle de comptable, peut-être que ça engendre des frais, certes, mais l'idée de création de société, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas de gagner petit, c'est vraiment de gagner de l'argent. Donc, quand vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir payer les corps de métier qui vont intervenir pour vous, notamment le comptable, vous allez avoir de l'argent pour le payer. Mais ce comptable-là va être là aussi pour optimiser, entre guillemets, votre fiscalité, vous expliquer quels sont les avantages
à être dans tel et tel statut, quels sont les avantages à déclarer certaines, enfin, déclarer vos charges de telle et telle manière, etc. Donc, je ne suis pas encore là pour vous faire un cours de comptabilité, mais pensez vraiment à utiliser le bon statut. Vous pouvez, suivant ce que vous voulez faire sur Internet, par exemple, ou hors Internet, quand vous avez créé votre boîte, vous pouvez être en EIRL. Si vous êtes seul, vous allez être en SARL si vous avez plusieurs associés. Le fait d'être en société, vous allez pouvoir récupérer également les charges, compter les charges dans votre boîte. Si vous êtes un auto-entrepreneur et que vous faites énormément de publicité en ligne, si vous travaillez sur Internet, vous allez voir que toute la publicité que vous avez, elle ne se déduisent pas parce que les charges ne se déduisent pas. En gros, vous comptez l'ensemble de votre chiffre d'affaires, c'est le chiffre sur lequel vous allez être imposé. Je donne un exemple. Imaginez que vous avez un produit que vous achetez 10 et que derrière, vous faites pour 5 euros de publicité eh bien, et derrière, vous vendez votre produit donc en tout et pour tout, vous aurez encaissé que 5 euros parce que vous avez fait 10 euros, vous avez fait, pardon, le produit, vous le vendez 10 et vous encaissez finalement 5 parce que vous avez fait 5 euros de publicité. Et là, attention, on ne parle même pas de la marge, c'est-à-dire le coût d'achat de votre produit. On va reprendre l'exemple pour que ce soit plus parlant. Imaginez que vous achetez votre produit 10 euros. Vous le revendez 10 de plus, donc vous vendez 20 euros. Et imaginez, vous faites 5 euros de publicité sur Internet, ça vous coûte, le coût d'acquisition de votre prospect coûte 5 euros pour le transformer en client. Ça veut dire que vous avez acheté votre produit 10 euros, vous avez fait 5 euros de publicité, donc vous avez dépensé 15 euros, et il vous reste donc 5 euros. Donc c'est la marge à laquelle il vous reste pour le produit que vous avez vendu. La seule différence, c'est qu'en auto-entreprise, vous allez être taxé sur les 20 euros complets. Donc, l'auto-entreprise ne prend pas en compte les charges que vous avez eues, c'est-à-dire le coût d'achat et les charges que vous avez eues en publicité. Il prend tout il englobe tout et c'est là-dessus que vous allez être taxé. Donc au final, si on taxe 20 euros de charges sociales à 13% ou à 24%, globalement, vous allez avoir entre 1 et 3 euros quasiment que vous déduisez et au final, dans votre poche, il ne reste plus rien. Donc faites très attention si vous avez beaucoup de publicité, dépenses, beaucoup de charges dans votre boîte, le statut auto-entrepreneur aura ses limites. Mais globalement, c'est bien pour démarrer, c'est bien pour commencer son activité, c'est ultra pratique parce qu'on n'avait pas toute la paperasse à gérer, mais gérez bien toujours vos comptes, sachez où vous en êtes, regardez ce que vous avez sur votre compte bancaire également, vraiment notez tout ça pour savoir où vous en êtes. Donc, tous les mois, faites un petit point du mois en cours, des clients que vous avez eus, du chiffre d'affaires qui est rentré, des charges que vous aurez à payer, calculez vraiment tout ça pour avoir une vision minimale de savoir où vous en êtes. Globalement, après, si vous voulez aller plus loin, vous avez donc le statut SARL, EURL, EI, donc c'est entrepreneur indépendant, entreprise indépendante, pardon. Il y a SASU, SAS, etc. Donc, tous ces statuts-là, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un comptable. Mais globalement, si vous voulez créer votre statut, vous pouvez le faire en ligne. Sur Internet, vous allez pouvoir créer votre société. Cherchez un petit peu, vous allez voir que c'est assez simple. Faites attention, vous allez devoir déposer des statuts, vous allez devoir rédiger une annonce légale. Si vous n'êtes pas trop bête, regardez bien sur Internet, vous allez trouver des réponses à vos questions. Tapez sur Internet, vous allez trouver comment rédiger votre annonce légale, vous allez pouvoir trouver comment déposer votre annonce légale et vous allez donc devoir que payer uniquement le service en question et pas devoir payer un prestataire qui va faire également la même chose que vous, mais il va vous facturer le temps passé à faire cela alors que vous auriez pu le faire vous-même. Prenez le temps, créez votre société. Ça prend un petit peu de temps et encore, bien qu'on soit encore en France, il y a quand même beaucoup d'administratifs, mais globalement, si vous prenez le temps d'aller vous chercher l'information sur Internet, vous la trouvez, prenez le temps, ça va vous faire économiser de l'argent et vous allez pouvoir donc créer votre statut, peu importe le statut que vous voulez obtenir pour votre boîte, vous allez pouvoir donc le créer vous-même. Pensez à ça parce que si vous passez par un prestataire, ça va vous coûter assez cher. Peut-être que votre comptable vous fait un prix sur l'ensemble, les comptables peuvent vous faire un prix si derrière vous êtes client chez eux. Donc, saisissez l'opportunité, dégagez-vous de la partie administrative et priorisez vraiment le côté création d'entreprise, concentrez-vous sur ce qui vous intéresse. Si maintenant le comptable ou la personne ou l'avocat fiscaliste que vous avez vous prend des millions pour créer juste votre société, oubliez tout de suite, gardez votre argent et créez-la sur Internet. Vous allez pouvoir vraiment le faire. Le résultat est le même. C'est les mêmes personnes qui enregistrent derrière votre société, c'est les mêmes personnes. Donc, vous n'avez pas passé par d'autres services. Simplement, un prestataire va prendre sa commission et des fois, sa commission est grassement payée pour ce qu'il a fait alors que vous pourriez le faire sur Internet. N'oubliez pas ça. Sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez. Il suffit simplement d'être bien guidé sur les bons statuts, mais un statut reste un statut. Une fois que vous avez ce statut, bien entendu, il faudra tenir une comptabilité, mais le statut est le même pour tout le monde. SARL, EURL, etc., peu importe ce que vous faites, quand vous enregistrez sur Internet, vous allez obtenir les mêmes choses, les mêmes papiers avec le même numéro, enfin, le numéro de SIRET, vous allez obtenir votre statut INSEE, etc. Donc, vous obtenez les mêmes papiers que si vous passiez par un prestataire. À la différence, c'est que vous allez économiser de l'argent.
Voilà, mais rapprochez-vous d'un comptable si vous avez des doutes, si vous ne savez pas spécifiquement quel est le meilleur statut pour vous, pour votre activité. Encore une fois, au travers de cette vidéo, je ne peux pas vous donner de statut spécifique, je ne connais pas votre activité. Donc renseignez-vous, allez auprès des bonnes personnes, évitez essentiellement les forums ou les groupes sur Internet, vous allez inonder d'informations et plus trop savoir précisément quoi choisir. Donc allez voir directement une personne concernée, un comptable ou un fiscaliste, qui va vous donner les bonnes directives. Certes, peut-être que ça peut vous coûter de l'argent, mais globalement, si vous êtes ensuite client chez eux, essayez de négocier pour les frais d'entrée et en principe, ils peuvent faire un geste et pas forcément vous facturer cette première prestation. Donc, voyez avec eux, mais rapprochez-vous d'un professionnel à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu plus éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous abonner à ma chaîne YouTube et rejoindre les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.